טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ici pour une heure de questions-réponses pour toutes vos questions où que vous soyez avec l'aide d'Hachem. On est ce soir jeudi 19 du mois de mars et on est déjà Vayere Vayiboker, le Kaf Dalet, le 24 du mois de Hadar. On avance dans le temps vers la fête de Pessah, un shiur dédié pour Natacha Martinsky. Bezrat Hashem, une grande atzlacha, Toda Rabba pour votre soutien. D'acheter un cours, ça nous aide énormément, comme vous le savez. Vous pouvez aussi acheter des paniers, 550 shekels ici, c'est 130 euros en France. Celui qui veut, regardez sur le site toratraim.net. On a encore beaucoup de familles qui se sont inscrites pour les paniers de Pessah. Des familles qui, chez nous, par contre, sont vérifiées. On vérifie, on n'envoie pas à Pessah, si on vérifie pas chez qui ça va. On parle de familles vraiment nécessiteuses et dans le besoin, avec des enfants. C'est facile pour personne, mais le mérite donc n'en sera que plus grand. Bezrat Hashem, Tzedaka Tatsil Mimavet. On souhaiterait une grande, grande refouah Shlema pour tous les malades d'Israël, Biotim Laklal. En remerciant aussi Henri Aaron Meslati pour ton amitié, ton soutien et tout ce que tu fais pour nous. Une grande refouah Shlema pour Eliaou Ben Messaouda Meslati, Maurice Meslati aussi, Toda Rabba. Shimon Chouraki, enfin vous êtes nombreux, donc je ne veux pas perdre trop de temps, c'est pas du perdre du temps, mais je veux dire par là de pas trop m'attarder. Refouah Shlema pour notre ami Albert Avraham Ben Simcha Simi Simon Saadia, Anna Elna Refanalo, Tsemach Ben Esther et Yosef, Salomé Rachel Per Haya Bat Miriam, Eliaou Amar Ben Alice, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Meir Ve Sarah Soufran, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, וכל עם ישראל שנשמע ונתבשר ישועות ונחמות בהכוונה טובה ובגאולה שלמה וסופית בעזרת השם. Trois nouveaux inscrits pour les shiurim. Vanessa Sarfati. Par contre, là j'ai un nom, c'est M5S. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous pouvez, Bezrat Hashem, nous dire au nom de qui. Et puis Maria Zebalos, si ça se prononce bien. Vous êtes aussi dans les listes des Shiurim, avec Laura Dré, Nicole Rebot, Katia Kayev, Cyril Selam, et ainsi de suite, Bezrat Hashem, Corinne Darmon, de Shiurim, Bezrat Hashem. Alors, je crois que tu as déjà des questions. Des auditeurs, il y a déjà des questions donc des auditeurs, je t'écoute pour les... Combien de questions? Il y a quelques questions, on va essayer d'intercaler avec les questions qu'on aura en direct avec votre permission. Bezrat Hashem, Bekef. Là, la première question, c'est essentiellement, bien entendu, toujours sur l'actualité, l'attente du Mashiach avec une grande impatience. Et cette question qui est, c'est une question de dire si ça ne sera pas le cas, on l'espère en tout cas tous pour que ce soit vraiment le cas cette année, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce maintenant? Alors, cette question-là, c'est vrai qu'elle m'a déjà été posée par pas mal de monde. Il y a une énorme, on va dire, il y a une espèce d'effervescence mondiale, aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs, d'une attente du Melech HaMashiach, du Messie, on dit en français, par rapport à la période, par rapport au bouleversement qu'on est en train tous de vivre à l'échelle internationale, où tout le monde se sent concerné. On ne sait pas vraiment où l'on va, mais ce qui est sûr, c'est que tous les signes, y compris des Gdolim, du peuple d'Israël, se prononcent beaucoup plus facilement, alors qu'ils ne l'avaient jamais fait avant, sur la préparation à la Géoula. Alors c'est vrai que tous les ans, et je vous dis franchement, c'est barbant. Attention, Soukot il arrive, Pessah il arrive, Shavuot il arrive, c'est Purim celui-là il arrive. On l'a entendu, et comme diraient certaines personnes, c'est bon, ça depuis que je suis petit, j'ai 50 ans, on n'arrête pas à me dire qu'il arrive cette année. Vous avez raison. C'est vrai que c'est fatigant. Mais de l'autre côté, mieux vaut être prévenir que courir. Donc cette année, on ne sait pas si vraiment, de façon certaine, qui peut mettre sa main au feu et dire « Je jure sur la Torah d'Israël que cette année viendra, je... » Ce qui est sûr et certain, c'est que les signes sont tous là, et que, hormis peut-être la guerre de Ishmaël face donc l'Occident et l'Orient, selon certains commentateurs, qui n'a pas encore eu lieu, et que toutes les nations du monde se rabattent contre Israël à la fin des temps, comme le dit le prophète, c'est encore deux signes qu'on n'a pas vus. Mais par contre, la différence qu'il y a, c'est que ces signes-là ne sont pas obligés d'être. Si on a fait tchouva, on les évite. C'est-à-dire que la Géoula viendra comme un cheveu que l'on sort d'un verre de lait. Ça veut dire dans toute sa douceur. Et si Chas Vesham, ce n'est pas le cas, alors comme une espèce de ronce que l'on retirerait d'une belote de laine. Donc effectivement, ce sera la déchirure
et la discrimination de droite, de gauche, qui vivra, qui vivra pas. Anilo yodea. Maintenant, pour répondre à la question, effectivement, la Gemara, comme je l'ai dit d'ailleurs ce matin dans mon shiur, nous dit dans Maseret Sanhedrin, En ben David ba el abesiyah da'at. Le Mashiach viendra d'Afka soudainement, à un moment où personne ne l'attend. Et là, on va exactement à l'opposé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara nous dit, Mashiach il vient ou quand tout le peuple est zakai, c'est-à-dire innocent, ou quand tout le peuple est coupable. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas une teshuvah aussi forte que l'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que, comme quelqu'un a posé une question sympathique, il m'a dit, quel rapport entre la chauve-souris et les événements? Je lui ai dit, ben, c'est très simple. La chauve-souris est un animal qui vit la tête en bas. Ça veut dire qu'il est retourné. Il est à l'opposé du monde. C'est un animal qui vit dans les grottes. Là où il y a justement, la vie n'est pas possible pour les humains. C'est-à-dire qu'on a renversé la nature, on a renversé un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est pas naturel. Ça chasse la nuit. On est devenus des vampires de la nuit. Ce sont des animaux qui vivent sur le sang des autres. On est devenus arnaqueurs, voleurs, menteurs. On n'a pas de problème de faire du mal. C'est un animal qui est très souvent représenté par les forces du mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sorcier dans les dessins animés sans chauve-souris, il n'y a pas de vampire sans chauve-souris. C'est un animal qui symbolise, contrairement à la colombe qui représente le peuple d'Israël, justement le côté obscur de nos façons d'agir, avec des dents qui font peur. C'est une tête de chien, si vous avez remarqué, au niveau des dents. Regardez sur internet des photos de chauve-souris, surtout quand ils les mangent en Chine. Vraiment, c'est très 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 spécial comme animal, et c'est un animal qui est création de Dieu, qui est gentil comme tout. Il débarrasse aussi certaines, la nature de certaines situations nocifs et nuisibles. Mais dans l'absolu, au niveau de la symbolique du peuple d'Israël, c'est un animal qui représente le mal. Velachen, si aujourd'hui ce virus vient de cet animal, ou fabriqué par cet animal, ou tout ce que vous voulez, peu importe, c'est qu'il y a quand même un message sur nous, c'est qu'on avait la tête à l'envers, et il serait peut-être temps qu'on la remette à l'endroit. Alors pour finir avec cette question, à propos du Melech HaMashiach, c'est que si aujourd'hui, eh bien, on est méritant, parce que Béhémeth, on demande le Mashiach. À l'époque du Rabbi de Lubavitch, je vous rappelle que la Teshuvah était tellement, tellement en effervescence dans le monde entier. Tout le monde mettait les tefillines, on reparlait du retour de manger kasher, d'arrêter d'aller en boîte de nuit. Les gens ont commencé à plus réétudier la Gemara, la Mishnah, la Halakha, la Gada, la Sifra, tout. Il y a un retour. Qu'est-ce qu'il avait dit le Rabbi? Oui, Mante, Mashiach, non. Le Rabbi, il ne connaissait pas la Gemara. Il connaissait très bien la Gemara. Mais il a dit, il faut demander le Mashiach. Et aujourd'hui, il y a une espèce de mérite vraiment qui ressort de la terre. Les gens, Béhémeth, retrouvent bizarrement dans le désespoir un espoir à l'intérieur du cœur, une situation de... On ne peut pas aller plus loin, donc on attend le Mashiach. Dans ce cas-là, il peut venir. Et si maintenant, Chas v'Shalom, on n'a toujours pas compris le message, avec tout ce qu'on entend aux informations, les mises en garde, l'effondrement financier qui risquerait de mettre la terre entière dans une situation sans retour, voire des guerres civiles, voir la guerre de Gog ou Magog. Et si avec tout ça, on fait pas ce qu'il faut, alors Dieu il a d'autres moyens. Et au moment, on s'y attendra le moins. Parce qu'on dirait, c'est bon, t'as vu ce qui s'est passé, on est tous, voilà, moi j'avais ma robe, moi j'avais mon costume, il est pas venu, laisse tomber. La Gemara, elle vient et te dit, oh, c'est pas fini. Même quand tu l'attendras pas, et surtout, comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Elikutei Moharan, Mashiach, il viendra soudainement au moment où personne, mais personne ne l'attendra. Mamash me'od ma'anien, de voir que d'un côté, la Géoula s'est passée, écoutez bien, c'est important, la Géoula s'est passée à la 10e plaie quand on est sorti du pays d'Égypte avec le confinement des Hébreux dans leur maison, exactement comme on le vit, et comme on l'a dit ce matin, le Baal HaTorim rappelle qu'à la fin des temps, ce sera le même scénario, Parashat Bo, Baal HaTorim, vous regarderez, et de, je crois, vers Vav, okay. Et de l'autre côté, on n'est pas tous sortis du pays d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a des gens du peuple d'Israël, soit pas rien, 80%, qui ont ignoré le fait de rester à la maison. Il y a des gens qui sont restés dans l'obscurité de la galoute et qui sont morts à la 9e plaie. Et on ne parle pas de la majorité du peuple, on parle justement de l'extrême majorité du peuple. C'est-à-dire qu'on parle de 2/3 du peuple qui ont refusé d'attendre le Mashiach, qui n'y croyaient plus, qui ne l'attendaient plus, qui ne le croyaient plus, qui ne l'ont même pas alors qu'il était devant eux. Il leur parlait et il n'y a rien qui est sorti de tout cela. La reine, Bezrat Hashem, il est très possible et fort probable que si on a le mérite avant Pessah, tous maintenant étant en courant, Bezrat Hashem, moi je m'adresse aux francophones, parce que je vous parle en français, je pourrais faire des cours en hébreu. La réponse, d'ailleurs, les gens me demandent pourquoi j'en fais pas. Je vais en faire si je veux blinéder, je parle aussi bien l'hébreu que le français, c'est pas le problème. Le truc, c'est qu'il y a tellement, dans les réseaux sociaux, de raves israéliens qui parlent aux Israéliens, aux États-Unis, ils parlent l'anglais. L'anglais, par contre, je ne parle pas très bien, donc même pas du tout. Je parle l'anglais tunisien, tménique. La reine, Bezrat Hashem, que au moins nous, on s'occupe de notre provenance. On est venu du pays de la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, tous ces pays francophones.
Bezrat Hashem, on s'adresse à eux en leur souhaitant, Bémet, en tout cas nous, ce qui nous concerne, le rabbinim de France, si je peux appeler ça comme ça, ou amis de la Torah, pour vous transmettre un message, c'est que nous, de notre côté à nous, on est venu pour faire ce que l'on a à faire, comme c'est marqué dans les 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, pas votre Dieu. N'attendez pas que tout le monde fasse teshuva pour dire, alors je monterai sur le bateau. Quand Dieu s'est adressé à nous, au Har Sinaï, il nous a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il faut savoir que une personne parmi vous peut provoquer la Géoula. Et ça s'est passé à maintes et maintes reprises. Il a fallu des fois deux personnes, Esther et Mordechai, ont été les acteurs de la Géoula. Des fois, un couple qui font le shalom, qui s'aiment, qui reprennent tout à zéro, peuvent amener la Géoula. Lama, les Fumtsara Agra. Parce qu'on est jugé selon les efforts qu'on a faits. Et le Mashiach, dit le Zohar à Kadosh, ne fait rien d'autre que nous attendre. Il nous attend, c'est pas nous qui l'attendons. Ça fait longtemps qu'il est prêt selon la Gemara. Ça fait 2000 ans qu'il attend. Une question technique par rapport aux différents mikvaot où les rabbanim disent que c'est bon, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à cela. Une dame qui nous écrit de Modine dit que la majeure partie des mikvaot sont fermées, un seul est ouvert. Certaines femmes sont sous réserve de savoir si elles vont y aller ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller par rapport à... Pour l'instant, d'abord et avant tout, j'aimerais répondre de façon claire, nette et précise à cette question, mais aborder une petite préface avec votre permission. Nous avons des gdolim. Les gdolim sont les aigles de la Torah, des gens comme moi, même pas une mouche. Ça veut dire que quand les gdolim nous disent de faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. Nos rabbanim ont le droit à la parole, mais même devraient aussi donner l'exemple à suivre. Si aujourd'hui, il y a tellement de confinement, s'il y a tellement de situations précaires pour beaucoup de familles, c'est parce qu'on n'a pas écouté, on a pris les choses un peu à la légère. Mais c'est normal, il y a un temps d'adaptation. Ce qui fait que ça a provoqué des fermetures préventives, et non pas parce que c'est là-bas qu'est le problème, c'est des préventions. Donc pour répondre brièvement à cette question, et ne pas m'attarder à chaque question posée, les personnes en confinement, les femmes qui doivent rester chez elles, n'iront pas au mikvé. Nekouda. Elles ne bougent pas de l'endroit où elles sont. Si elles sont porteuses du virus, elles iront faire une mitzvah sur le dos d'une avéra. Les femmes qui ne sont pas en confinement, qui ne sont pas en quarantaine, peuvent tout à fait aller au mikvé, qu'elles mettent des gants, qu'elles mettent le masque, alors ce ne sera plus de sa noix à la limite, et iront au mikvé. Elles peuvent tout à fait y aller, Bezrat Hashem, en sortant, elles s'essuieront avec les mains, avec le produit, il dit, si on prend les mesures de sécurité, NBZ, Bahaya, nous n'avons pas eu d'ordre de nos rabbanim, je parle du Rav Shlomo Amar, du Rav Rabbi Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, on n'a pas eu les gdolim, je parle vraiment les grands poskim alacha qui sont en main dans la main, entre les jeux de mots, avec le gouvernement, qui savent exactement ce qui se passe par le biais d'Arié Derry, le ministre de l'Intérieur. Donc, pour l'instant, je n'ai pas entendu que les femmes seront si confinées si elles ne le sont pas pour aller au mikvé. C'est très important d'aller au mikvé, parce que à travers cette situation, même si il n'y a pas de, on ne va pas avec sa femme, bête koufat pour Hanout, c'est-à-dire dans une période de... pour Hanout, c'est catastrophique mondiale, hein, déluge mondial, on va dire ça comme ça. En général, on ne va pas avec sa femme. Mais de l'autre côté, il y a pire que de ne pas aller avec sa femme. C'est de faire Zera Levatala. Ça veut dire que si Chas v'Shalom, aujourd'hui, des hommes commettent l'erreur fatale de regarder et de continuer leurs erreurs en regardant de la pornographie et en pratiquant l'onani, c'est-à-dire la masturbation. Excusez-moi, je parle comme ça pour que tout le monde comprenne parce que je veux vraiment que ce soit vraiment, vraiment, vraiment bien compris. C'est tellement grave que ça va rajouter encore plus de sang sur nos mains. La reine, il est préférable pour une femme d'aller au mikvé, de se donner à son mari, que son mari, Chas v'Shalom, en vienne à fauter. Ou pire encore, qu'elle se donne sans aller au mikvé. La reine, les femmes qui ne sont pas en confinement, peuvent aller au mikvé, nbezebaya, le'aretata. Je n'ai ni entendu aux informations, ni entendu de la bouche de Nouramanim, et encore moins du ministère de la Santé, que c'était, pour l'instant, le cas. Donc, Ken, je vous conseille d'y aller, parce que si on est tous en confinement, par contre, ça deviendra beaucoup plus difficile. Si maintenant, une femme est en confinement, imaginons que ce soir, c'est son mikvé, et que dans 3 jours, elle sort du confinement, elle pourra tout à fait aller au mikvé au moment où elle sortira. Mais pour l'instant, même si c'est son soir, tant qu'elle n'est pas trempée au mikvé, je dis bien au mikvé, ni dans la salle de bain, ni dans la piscine, ou je sais pas quoi, don't touch. Issur deoraita, elle ne touche pas à son mari. En malasot, c'est un tikkun difficile.
Aval, je pense que de toute façon, dans cette période aussi délicate, il est préférable d'avoir Hachem dans son camp qu'une fois de plus d'être contre son camp. En malasot. Autre question de Simcha qui nous parle par rapport aux célibataires. Doivent-ils continuer à chercher et à se marier plus vite ou plutôt d'attendre ce qu'ils ont? Alors, pour les célibataires, si vous avez des shidouchim, c'est un peu compliqué pendant cette période parce qu'on demande de garder nos distances, et c'est l'occasion de le faire peut-être, mais en tout cas, tant qu'on n'est pas en confinement, si cela se passe dans les conditions du ministère de la Santé, écoutez bien les mots que je dis. Il y a une femme hier qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, j'ai un shidouch, j'ai les gants, j'ai le masque, on s'est déjà vu une fois avant que cette pandémie ne soit officiellement annoncée, est-ce que j'ai le droit d'y aller parce qu'on voudrait fixer une date? Je lui ai dit oui. Elle est partie avec le masque, elle est partie avec les gants. Ils se sont tenus à 2 mètres de distance, ils ont pu discuter à peu près, je lui dis, d'être rapide par rapport à ces questions, on parle d'un mariage, parce que bon, ça finira, donc on fixe la date, et Bezrat Hashem, il y aura des mariages. Et pourquoi il y aura des mariages, et pourquoi c'est si important les mariages? Parce que la Géoula dépend des mariages et des enfants. Vous savez, on est dans une période où tout le monde prend la pilule, les gens s'empêchent d'avoir des enfants, les gens se permettent de faire des choses comme ça, Rabotai, c'est... Torah, il faut vraiment demander aux rabbanim, vu la situation. Par exemple, on m'appelait en me disant qu'il y aurait des rabbanim qui auraient permis de prendre la pilule, de prolonger la pilule, parce que ça permet de ne pas avoir, pour une femme, ses menstruations, ses règles. Donc, en d'autres termes, d'éviter à son mari de fauter et de ne pas se retrouver coincé à la maison sans pouvoir le mikvé. Si, j'ai répondu à cette femme, si vous avez l'autorisation de votre rav, madame, faites-le. C'est le rôle des rabbanim, de juger les situations, de voir, d'écouter. Mais par contre, si vous tombez sur des rabbanim, qui chas v'shalom mezalzelim be'oraot, c'est-à-dire qui dénigre la parole des consignes qui nous sont données chaque jour par rapport à l'évolution dans notre pays ou ailleurs, v'mezalzelim beze, ouais c'est bon, la Torah nous sauvera, on n'a pas besoin de ça, on n'en a rien à faire, zelo nachon, puisqu'il y a déjà eu des quartiers en Israël, des villes qui ont été totalement fermées. Telstone a été fermée, on parle de d'autres, je ne vais pas donner les noms, ce n'est pas joli, et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais des endroits où les religieux n'ont pas tenu compte des ces mesures de sécurité et qui se sont passés le virus les uns chez les autres. La reine Bezrat Hashem, si vous avez dans votre cas une autorisation de perpétuer l'histoire de la pilule pour ne pas avoir vos règles et être présent pour votre mari, vu les conjonctures actuelles, ça c'est « Asse l'echarav vetistalek minasafek ». Une question en même temps par rapport à ça, pour les hommes, pas de problème par rapport au mikvé, parce qu'on a vu... Les hommes n'ont pas besoin d'aller au mikvé parce qu'il est remplaçable par d'abord la piscine, il est remplaçable par 12 litres d'eau versée sur la tête, comme j'en ai déjà parlé. Donc pour les hommes, évitons. La femme, on ne peut pas éviter. Mais tout ce qu'on peut éviter, comme l'a dit Bibi Netanyahou, ainsi que le ministère de la Santé en France, tout ce que l'on peut éviter de faire pendant cette période, il faut éviter. Nekouda. Une question importante qui va concerner Israël et Rousslaretz. Pour le Shabbat qui va arriver, Rousslaretz, il n'y a plus de Beth Knesset d'ouverte. Les personnes s'inquiètent comment faire une fila, s'il n'y aura pas de Sefer Torah, etc. Et par rapport à cela, et pour Eretz Israël, où on est limité à 10 personnes. Alors aujourd'hui, effectivement, comme l'a demandé aussi le consistoire, le Rabbi Hana à Marseille, de fermer le Beth Knesset. Et j'ai demandé à mon ami, Rabbi David Ayakar Sadou, qui m'avait posé la question en disant qu'il respecterait les mesures de sécurité et de santé, c'est-à-dire que chacun serait à 2 mètres l'un de l'autre avec les masques et les gants, à partir du moment où nos autorités rabbiniques, même si on a raison, il y a plus fort que d'avoir raison, c'est d'avoir de la sagesse, donc ne pas donner le mauvais exemple dans ce domaine, c'est ce qu'il a pris, Yishar Koach, David, que Dieu te bénisse, parce qu'il n'y a pas plus fort au monde que de faire la volonté de la Torah, que de passer le émet de nos vies par rapport à la Torah. Alors, vous êtes confiné chez vous, si vous devez prier en yachid, vous priez en yachid. C'est peut-être la prière que Dieu veut entendre pour ce Shabbat. On n'est jamais mis dans une situation si Dieu ne le veut pas. Donc, si vous êtes confiné à la maison, vous ne pouvez pas sortir, surtout en France, il n'y a pas de hérouve, donc à plus forte raison. Si vous pouvez, dans certains cas, organiser des minyanim, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, de 10 personnes maximum, à 2 mètres de distance, avec les masques et les gants, si vraiment ça vous tient à cœur, nous, c'est ce qu'on va faire ici. On fait le net, après on fait 8 heures, on fait. Maintenant, le Rav David Yosef, Shlita, Shibadel Haim Arukim, vient d'ordonner de fermer toutes les Beth Knesset parce que la pandémie vraiment est présente et qu'elle se diffuse. Donc on verra demain ce que l'on fait, mais maximum, sachez-le, moi-même, si je dois rester confiné chez moi et ne pas prier en minyan, eh bien je ferai toute ma prière encore plus avec du cœur,
encore plus doucement, encore plus en la chantant. Et au lieu de lire la Torah, je lirai la paracha, eh bien, dans mon chumash, et j'essaierai de plaire à Hachem avec mon potentiel. Vous savez, un bébé n'y parle vraiment. Il ne fait rien de spécial, il ne fait aucune mitzvah, si ce n'est que de respirer, de manger et de dormir. Et pourtant, il n'est pas plus pur que lui. Ce n'est pas ce que nous faisons qui apporte le plus de choses, c'est le potentiel de ce qu'on peut faire au maximum qui apporte le plus de choses. Un enfant, quand il dort, quand il boit, et quand il pleure, ou quand il sourit, il donne le maximum de ce qu'il peut. Si le maximum de ce qu'on puisse donner, c'est prier bien à la maison, alors ça vaudra peut-être mieux que d'aller à la synagogue pour discuter constamment de « tu te rends compte de ce qui se passe, comment en faire financièrement ?» À la limite, c'est peut-être pas un tort. Parce que dans la situation dans laquelle on est tellement angoissé qu'on a tous besoin de parler. Et j'aurais très peur que les gens arrivent à la Beit HaKnesset pour plus parler de la situation que de venir prier. Et vous connaissez tous le slogan « si tu vas là-bas pour parler, alors tu vas aller où pour prier ?» Je crois inverser les choses, bizarrement. Aval, je finirai avec une phrase d'encouragement. Dans la paracha de Balak, « Bilam Arasha et Mahshemo Zekhro » quand il vient pour maudire les enfants d'Israël à propos des Beit HaKnesset, ses formules se renversent. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Matovo O'alecha Yaakov Mishkenotcha Israël » Il compare les maisons de Juifs au Baté Midrashot et à la synagogue. Ce qui fait que dans la Torah, on dit que la maison d'un Juif, c'est aussi une synagogue. Lachen Bezrat Hashem, si vous êtes confinés chez vous à la maison, prenez vos enfants autour de vous, aidez votre femme, et ensemble faites la prière. Les Chadodi, les Kratkala, Pene Shabbat, Nekabela. Et Bezrat Hashem, vous aurez fait rentrer Shabbat avec votre cœur, dans la sincérité et le dévouement de la situation et du potentiel qui vous est donné. Zéro. Pour les organisations de Shabbat. Chers amis, j'aimerais, je ne sais pas qui écoute, qui n'écoute pas, j'aimerais vraiment que ce que je veux dire soit diffusé partout, parce que c'est vraiment important. Ce que j'ai pu constater, au fur et à mesure du temps, et des téléphones qui me sont adressés, et surtout des messages qui n'en finissent pas, ce n'est pas une critique. C'est que c'est des fois un peu difficile quand les gens s'attardent énormément sur ce qu'ils veulent dire alors qu'une phrase suffisait. Mais beaucoup se sentent seuls. Énormément de gens sont en panique alors qu'ils ne devraient pas l'être. Pourquoi ? Ils ne savent pas comment s'organiser, ils ne savent pas comment y aller, ils ne savent pas qui va leur faire les courses. Il y a des gens qui n'ont même plus d'argent pour faire les courses. Il est impératif de vous organiser. Il est impératif qu'une personne qui a les reins solides, qui a la tête sur les épaules, fasse une liste de WhatsApp, de diffusion ou simplement d'adresse. Peut-être que chaque Beit HaKnesset devrait le faire, à mon avis, chaque Rav de quartier doit le faire, pour être au courant de la situation de nos frères juifs. Ne comptez pas sur les autres. Imen anil imili. À savoir, par exemple, qui va faire les courses à une vieille dame qui est isolée dans telle adresse, on va lui faire les courses, on fait une coupa ensemble, on lui fait les courses, on lui dépose devant sa porte et on s'en va, avec les gants. N'oubliez pas ce détail. Même si vous êtes confiné à rester chez vous, vous êtes quand même en droit d'aller faire les courses, pensez à ceux qui sont seuls. Il y a des gens qui ont besoin de parler par téléphone, ils sont très mal, que Bezrat Hashem, des équipes s'organisent chez eux à la maison. On vous demande de travailler de chez vous, on peut très bien travailler de chez nous. Et je le fais. Il y en a qui m'appellent, qui me parlent, et qui m'expliquent. Et j'ai compris qu'ils n'ont pas de questions, ils ont besoin de parler. Alors c'est pas évident, je sais. Les enfants, je suis pas idiot. La situation, sort dehors une ambiance de rasra. Rien n'est simple, mais c'est le chesed qui nous sauve. Donc c'est l'occasion pour nous de faire du chesed. Quand il y avait le déluge dans l'arche de Noé, il y avait tous les animaux les plus féroces. Et on faisait du chesed. Malgré la situation, on faisait du chesed. Pensez à vous organiser. Pensez à vous organiser pour Pessah. Pessah arrive, Bezrat Hashem, à partir de Rosh Chodesh Nissan, soit la semaine prochaine avec l'aide d'Hashem. Vous commencez à faire votre ménage de Pessah. Ragil, continuez vos vies dans les conditions dans lesquelles vous êtes, certes, mais continuez. Retirez le chametz. Mettez-le de côté. Si vous avez acheté énormément de nourriture qui est chametz, vendez-la. Ça s'appelle Efsed Meroubé, c'est-à-dire je risque d'avoir une trop grosse perte financière en la jetant ou la brûlant. Et deuxièmement, c'est un cas de force majeure. Donc oui, j'ai déjà posé la question des poskim, vous pouvez la vendre sans aucun problème. Vous la mettez de côté, vous nettoyez votre maison, même avec les enfants dans les jambes de mal à saute. Vous entraidez les uns les autres. Et là, à partir de ce moment-là, Bezrat Hashem, vous serez obligé de vous organiser pour que peut-être une personne fasse les courses pour trois personnes dans le minimum de Pessah, c'est-à-dire les matzot, le vin, je ne sais pas chacun ce qu'il mange, mais en tout cas pour qu'il y ait une organisation
demandé par le consistoire, en tout cas les autorités rabbiniques, je ne sais pas comment ça se passe exactement, chacun, il y a le Rav Rotenberg, il y a Pavé, il y a le consistoire de Paris, je ne sais pas, mais vous devez vous organiser absolument, et nous-mêmes on le fait déjà ici, on est en train de s'organiser, le gouvernement sait très bien qu'il sera obligé de nous lâcher pour aller faire les courses, on est en Eretz Israël, ils savent l'importance de la fête de Pessah, on ne peut pas laisser les gens avec du Hametz et sans rien manger. La reine d'ici là, il y aura peut-être un miracle, la Géoula, Miodea, et si ce n'est pas le cas, on ne compte pas sur le miracle. Nous, on s'organise et on continue à attendre la Géoula. Une question par rapport aux différentes personnes qui travaillent dans la Révolte Kalisha. Comment faire, comment pouvoir continuer à être actif par rapport au virus et... Les médecins et la Révolte Kalisha mettent vraiment leur vie à la disposition du virus. Je ne veux pas dire en danger, mais à la disposition, oui, c'est sûr. Seulement, on a une phrase très connue du Talmud qui dit « Celui qui est occupé à une mitzvah ne connaîtra pas le mal. » Alors, si les gens de la Chevra Kadisha, et je pense qu'ils le font, prennent les mesures nécessaires de se couvrir le visage pour ne pas respirer ce virus, pour ne pas toucher ce virus, et portent les habits prescrits par le ministère de la Santé, à mon avis, ils doivent continuer leur avodat kodesh en safek, qu'il n'y a pas un plus grand chesed qui s'appelle chesed chez les maîtres que d'enterrer nos morts. Sur ce, je suis très content que tu me poses la question, tout simplement parce que je voudrais faire une parenthèse importante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce que je vous dis, c'est Badou Koumnoussé, les rabbinim en France le savent. C'est que je vais prendre un cimetière qui est le cimetière de Pantin. Prenons le cimetière de Pantin à Paris, où il y a le quartier juif. Là-bas, c'est limité par une espèce de frontière, une espèce de muraille. On peut enterrer au grand maximum, allez, 200 000 personnes. Il y a un rave qui est parti vérifier et qui a constaté qu'il y a plus de 1 million de personnes qui auraient été enterrées là-bas. À ce qui paraît. Je n'ai pas son nom, mais je le crois volontiers. Parce que chaque fois qu'on a eu des enterrements, c'est à Pantin. Combien il y a de place à Pantin? Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, c'est important. On achète pour 30 ans, pour 50 ans. Il y en a qui l'achètent pour toujours. Mitbarer, après une enquête qui a été faite, que certains non-juifs, eh bien, quand ils vérifient que la tombe n'est plus visitée, qu'elle est dans un état pitoyable, retireraient les morts et les brûleraient. Ou les jetteraient ailleurs. Il faut faire extrêmement attention à cela. Il faut vraiment faire attention à cette Nekoudala. Mais il y a pire. Étant donné qu'il n'y a plus de place dans les cimetières, maintenant, ce que proposent malheureusement les gens, et ça marche avec les ignorants, c'est la crémation, de brûler les corps. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous le dire une fois pour toutes. C'est un interdit formel de la Torah, pas moins grave que de manger du porc, pas moins grave que de fumer à Kippour, que de brûler un corps juif. Hashem ishmor v'irahem. Il est strictement interdit de faire une chose pareille. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le corps, quand il est sous terre, retrouve un repos. C'est pour ça qu'on dit « repose en paix ». Quand il est brûlé, comme le dit la Gemara et pas David Huitou, quand une personne décède, vous avez remarqué que la Chevra Kadisha, quand elle l'enterre, lui demande pardon si on t'a poussé, si on t'a mal installé, au nom de nous tous. On demande pardon aux morts, vous savez pourquoi? Parce que quand la Neshama sort du corps et qu'une personne meurt, le Ruach et le Nefesh sont encore présents. Le Ruach sort du corps, mais le Nefesh reste dans le corps. Ce qui fait qu'ils sont présents, déconnectés, mais ils ressentent absolument tout. Le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Ce qui fait que si tu frappes un mort, sache qu'il ressent. Comment dit la Gemara les choses? Elle dit, écoutez bien. Caché, Neshichat, Tolaat, Kemahat bebasar achay. Comme ça nous dit la Gemara. Il est aussi difficile pour un mort de subir la morsure des vers que de rentrer une aiguille dans le corps de quelqu'un qui est encore vivant. Qu'est-ce que veut nous dire la Gemara? Ben, elle est en train de te dire que fais attention, Baba. Quand une personne est morte, son corps ressent tout. C'est pour ça qu'il y a les 7 jours, il y a les 30 jours, il y a les 11 mois, il y a les 1 an. Résultat des courses, peut-être que tu n'y crois pas. Mais à la limite, si vraiment tu veux brûler l'autre, va te faire brûler toi, mais ne fais pas des choses pour les autres, à un tel point que si un homme demande à être brûlé après sa mort, comment on dit brûlé après sa mort? Il y a le mot...
la crémation, il dit, voilà, moi, je veux être brûlé. Oui. Et c'était sa volonté, on ne la fait pas. On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. C'est comme une personne, elle fait le néder de manger du porc. Tu as fait un néder, c'est grave. Manger du porc, c'est assourd. L'interdit t'annule ton néder. Tu ne peux pas. Elle n'a pas casé. Mais la reine, faites attention. De plus en plus, les gens proposent, bon, écoutez, vous savez, le cimetière, c'est compliqué. Vous voulez pas prendre ses cendres. Vous savez, il est mort, il reposera en paix. Le bon Dieu sera là pour l'accueillir. Sheker, c'est du mensonge. Nous avons le devoir d'enterrer nos morts. Et pour les hommes, vous avez le devoir, regardez ce qui s'est passé, les tombes abandonnées, selon ce que j'ai reçu, eh bien, auraient été débarrassées. On ne sait pas où sont les corps. Le respect des parents, c'est du vivant, et c'est aussi après la mort. La Chen Bezrat Hashem, c'est aussi pour nous une façon de sonner une toilette d'alarme, et que quoi que l'on fasse, on doit être enterré dans un quartier juif, dans le cimetière, sous terre. Am Israël, comme c'est marqué, tu as été sorti de la terre et tu retournes à la poussière. C'est dans la Torah. Tu ne retournes pas dans les feux. Ne faites pas cette erreur, surtout quand il s'agit de vos parents, encore plus que tout. Ça veut dire que tu as brûlé ton père, tu as brûlé ta mère. T'es fou. T'es malade. Qui est le rave qui t'a dit que c'était permis, à part un réformiste ou un libéral? Qui? Où est-ce que c'est permis dans la Torah? Ta simoulève, parce que les âmes, elles crient dans le ciel. Ken? Une question par rapport, alors on est obligé de revenir par rapport à ce qui est quelqu'un qui débute. Ken, on est là pour répondre, c'est une question-réponse. Pour reconfirmer encore une fois de ne pas se toucher pendant cette période-là, certains auditeurs sont arrivés en cours de... Ne pas se toucher, ça veut dire quoi? Tu parles de relations de couple? De se toucher entre hommes et femmes pendant le confinement, pas mal de questions qui reviennent en fait, donc il faut juste rester malheureux de se répéter, mais c'est tellement... Les personnes en confinement, même les couples, ne se touchent pas du tout. Parce que si la personne est en confinement et qu'elle prend son fils dans les mains, ok, lui il est en confinement. Il n'a qu'un ami. Au pire, il prend sa femme. Maintenant, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il est en confinement. Et il touche la main de sa femme. Sa femme rentre en confinement. Vous savez, je vais raconter quelque chose qui s'est passé. Il n'y a même pas une semaine de cela, un homme m'appelle, il me dit, voilà, moi je suis en confinement, je suis venu de France. Est-ce que je peux aller avec ma femme? Ma femme n'est pas Nida, est-ce que je peux aller avec elle? Je lui ai dit, oui, mais à une condition. C'est qu'une fois qu'elle aura été avec vous, elle aussi elle est en confinement. Parce que si toi t'es en confinement, c'est pas pour tuer ta famille. T'es en confinement pour protéger les étrangers autour de toi, ton peuple, si tu vis en Israël, ou les Français autour de toi avec qui tu travailles. C'est pour faire plus de mal encore à ta famille. Si tu prends ça au sérieux, prends-le vraiment jusqu'au bout. Mais si pour toi c'est de la rigolade en disant, voilà, je suis à la maison, viens mon fils dans les bras, papa il a rien du tout, tu fais une erreur. Rabotaï, juste avant de venir, j'ai un ami, une personne que j'aime énormément, qui m'a juste appelé avant de venir prier Mincha, et qui m'a dit qu'il a tous les symptômes du virus. La voix, son enregistrement, quand il m'a laissé son message, m'a fait comprendre la gravité du sujet. Alors moi, je ne suis pas du tout un alarmiste, je ne suis pas du tout une personne qui panique, je n'ai jamais paniqué de ma vie, et je ne compte jamais paniquer. J'ai confiance en Dieu. Mais je le répète une dernière fois, celui qui prend les choses à la rigolade ferait mieux d'être sérieux. Celui qui a compris que c'était sérieux peut se permettre de prendre les choses à la rigolade. Ça veut dire que tu peux tout à fait garder le sourire et prendre tes distances. Mais les personnes qui ne sont pas en confinement, c'est-à-dire que si vous êtes chez vous, que vous n'êtes pas défini par le ministère de la Santé comme étant en confinement, eh bien, si vous voulez avoir une relation avec votre femme, vadaï que ce sera préférable d'abord que de se disputer. Comme je dis souvent, au lieu de faire la guerre, faites l'amour. Et si, surtout si, chas v'shalom, les pulsions animales sont présentes et que vous risquez de fauter, vadaï qu'il est préférable, bégadol, sans aucune hésitation, d'aller avec votre épouse que de faire une seule fois Zera Levatala, Hashem Ishmor, à la condition que votre épouse, bien entendu, vous ait permis. Le mec, il dit, tiens, chérie, viens, je vais fauter. Bon, c'est pas grave, t'es Nida, mais je te prends. Chas v'shalom, c'est Zera Levatala dans la Nida. C'est pire, c'est deux Averot. Ken. Beaucoup d'inquiétudes pour nos chers frères de France, où il y a beaucoup d'éléments qui sont sur les réseaux sociaux qui disent que les Juifs de France, tant pis pour eux, ils n'ont pas été comme en Israël. Et beaucoup de gens disent quoi, ils vont rester en France, il n'y aura pas un plan B pour eux. Vous savez, une fois, mon Rav m'a dit une très belle phrase. Il m'a dit « Heureusement que Dieu n'est pas un homme parce que les jugements de l'homme sont plus durs que les jugements de Dieu. » C'est terrible d'entendre des choses pareilles en disant « Voilà, vous avez prévenu. Moi, ça fait aujourd'hui 33 ans que je vis en Israël. J'ai fait des vidéos il y a 7 ans où j'ai demandé aux Juifs de France de se préparer à l'Alia et je n'ai pas encore dit une seule fois aujourd'hui. Oui, vous voyez, on vous avait prévenu. Pourquoi vous n'êtes pas monté ?» D'abord, on n'abat pas quelqu'un qui est par terre.
Et à part ça, le peuple d'Israël, partout où il est, n'est jamais par terre. On est comparé aux étoiles. Ça veut dire que le peuple juif, où qu'il soit, il y a la Shrina avec lui, il y a la Torah et les mitzvot. Donc même si le peuple d'Israël, une partie d'elle, est en Galoute, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, et que la situation risque de se renverser du jour au lendemain avec une guerre civile où il n'est pas sûr que l'islam reste les bras croisés dans leur quartier et ne profite pas d'une situation ou autre, hein, c'est pas que l'islam, ça peut être d'autres déclenchements, les juifs, de toute façon, ont Dieu. Donc, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, Dieu les protège. Par contre, c'est vrai que le prophète nous dit qu'à la fin des temps, hein, Isaïe, le peuple d'Israël, ou Irmia, ou je ne me rappelle plus, de tête, je suis un peu fatigué, excusez-moi, nous serons comme une brebis parmi des loups qui se battront entre eux. C'est-à-dire qu'il y aura à la fin des temps, apparemment, à moins qu'on arrête ça parce qu'on a le mérite d'être Shomer Shabbat, ce Shabbat tous ensemble, à l'éveil. Mais il y a Hachem, et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut mettre des munitions dans nos armes. Et quelles sont les munitions dont on parle? La Gemara nous dit, je le répète encore et peut-être encore demain, je ne sais pas. Qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé à la fin des temps? Yasok ba mitzvah ou begmilut chassadim. Il étudiera plus de Torah, et il fera plus de bien autour de lui. Si on arrive à faire ce genre de choses, alors je répondrai à ceux qui vous disent, ouais, c'est dommage, on vous avait prévenu, c'est dommage que vous ne soyez pas monté. Phrase que je trouve stupide, ça ne construit pas, c'est faux, parce qu'à Kol Me'et Hashem, et puis de dire de monter aux gens, c'est facile. Une fois qu'ils sont là, est-ce que tu es là pour leur donner à manger, un travail, leur apprendre la langue et tout ce qu'il faut avec? C'est pour cela que nous voulons créer le centre de le fameux centre dont on avait parlé avec le département Alias, il n'y a pas la Géoula d'ici là, pour justement être une réponse à faites votre Alias, voilà ce qu'on vous propose, on va essayer de vous aider réellement et non pas par des dibourim. Aujourd'hui, on a des représentants au gouvernement israélien francophone, le Rav Yossi Taïeb nous représente parfaitement là-bas, et Bezrat Hashem, on a enfin une entrée au gouvernement pour dire que les Juifs de France veulent monter en Israël, qu'on a le droit d'avoir notre place, d'être revendiqué ici, et des droits. On a des droits pas moins importants que les Russes, qui ont, eux, tout eu, parce qu'ils se sont organisés, parce qu'ils se sont unis, et parce qu'ils ont compris où il fallait être. Lachen Bezrat Hashem, pour ceux qui sont en France, n'oubliez pas un détail. Si vous n'avez pas pu prendre Elal, c'est Elion et Vizachor Letov, s'il y a la Géoula qui viendra vous chercher, puisque ça fait partie de son travail, Kibbutz Galuyot, Melech HaMashar doit ramener tous les exilés. Si vous avez de la Torah, les Mizot Massim Tovim, de qui plus est. Si vous aidez la Torah en Eretz Israël, Zohar HaKadosh, comme je l'ai déjà dit dans la Parashat Vayechi, dans Miam Loes, vous retrouverez les références du Zohar HaKadosh là-bas aussi, puisqu'il le ramène. Tout juif de Galout qui aide des juifs à s'installer en Israël, à y vivre la Torah, à étudier la Torah, est considéré là où il est comme si il était en Eretz Israël. Lachen, en Yehush Klal Baolam, et s'il y a des juifs en Galout, à Ouman, à Paris, à Hong Kong, aux États-Unis, dans n'importe quel pays du monde entier, au Maroc, très belle communauté du Maroc que j'ai eu le mérite d'aller visiter à Casablanca, que Dieu les bénisse, Rabbi Abraham, les Shekot Rabot Sadik, eh bien, Hachem ne vous laissera pas. Parce que la vérité, partout où j'ai été, j'ai vu que des communautés merveilleuses. C'est vrai que souvent les juifs peuvent nous énerver un peu à droite, à gauche, on peut se prendre la tête, mais Béhémet, vous êtes des gens extra, et Akadosh Baruch Hu ne vous laissera jamais, je vous le promets. Ça peut chauffer, ça peut aller mal, mais Am Israël, Chai Vekayam. Question, je reçois des questions par différents canaux. Au niveau de l'organisation dans les maisons, certaines femmes se posent des questions, est-ce qu'ils doivent organiser un Pessah avant Pessah, qui veut dire dès le matin, une heure de levée pour les enfants, comment s'organiser dans la maison quand il y a un confinement qui dure et qui... Je dirais plutôt le contraire. Dans un moment de confinement, si tu n'es pas organisé, c'est là où tu craques. Il faut s'organiser, il faut organiser les enfants, il faut leur trouver des occupations. C'est très important. Il faut beaucoup parler avec eux, leur expliquer la situation. Sans les affoler, chas véchal, on ne parle pas des petits-enfants. Le mec, il a un enfant de 2 ans et il le prend pour son psychiatre. Ouais, ça ne va pas du tout. Je ne parle pas de ça, chas véchal. Mais il est impératif de mettre d'avoir un langage d'adulte avec eux pour qu'eux-mêmes participent à la situation et on pourra tout à fait préparer Pessah dans les conditions telles que... On a l'habitude de le faire tous les ans. Si on fait nos courses, on peut tout à fait le préparer avant. D'ailleurs, à cette insu, à propos de Nat Barnat, Notentam Bar Notentam, si Bedi Avad, il y en a même qui disent les Khatrila, il y a 2-3 poskim qui disent que ce serait même a priori ou de posteriori, comme l'explique le Rabbi Tzrak Yosef lui-même, d'ailleurs, dans une vidéo clairement, si une personne n'a pas encore sorti sa vaisselle de Pessah, qu'elle voudrait préparer son Pessah dans des ustensiles parfaitement nettoyés, non utilisés depuis 24 heures,
et préparer de façon anodine son plat de Pessah, Bedi Avad, le plat est tout à fait consommable, comme explique le Rav Binyamin Chuta dans son Shulchan Aruch derrière, que cette loi-là est Bedi Avad et non pas l'Echatrila, même s'il y a des poskim qui disent aussi qu'elle peut être l'Echatrila. Le mieux, c'est de sortir une fois que toute la maison est prête, 2-3 jours avant Pessah. Vous avez votre maison qui est propre, comme on a l'habitude de faire, en tout cas nous l'utilisons, c'est comme ça qu'on fait, la maison elle est brik-brak, Bezrat Hashem, et puis là on prépare, on sort notre vaisselle de Pessah, et on prépare Pessah dans la joie, puisque l'élément principal de la Emouna et de la Geoula, c'est les tambourins et la joie de vivre. Et c'est pour cela que la mitzvah aujourd'hui est le challenge le plus grand du peuple d'Israël dans cette situation qui tourbine dans tous les sens. C'est comment être joyeux dans une situation de stress, d'incertitude totale, des enfants dans les jambes, le mari à la maison, la banque. Parce qu'ils sont marrants, ils ont tout arrêté, mais par contre les banques, elles n'ont pas fermé. En tout cas, à l'intérieur des ordinateurs travaillent pour les agios. N'ayez pas peur. Akadosh Baruch Hu, il est tout à fait au courant de tout ce que vous subissez. Il est même derrière. Et s'il a envoyé le coup, c'est parce qu'il a déjà le médicament avant. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans la Torah, Trufa Kadma Lamaka, dit la Gemara, Trufa Kadma Lamaka, toujours Dieu, il envoie le médicament, envoie une épreuve. La Reine Bezrat Hashem, on ne sait pas s'il y a un vaccin, s'il n'y a pas de vaccin, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a déjà un vaccin, ce qui paraît, peu importe. Ce qui est certain, c'est que nous, notre médecin, c'est Akadosh Baruch Hu, et tout le monde s'en sortira. Sinon, c'est pas une Geoula. On a une question d'un auditeur qui s'inquiète par rapport à ça, n'ayant pas d'épouse, qui se demande si c'est pas dangereux d'arrêter pour lui ses problèmes de Zera, et que ça ne va pas le déranger, ça ne dérange pas le corps humain d'attendre par rapport à ça. Alors, d'abord et avant tout, il faut savoir que Zera Levatala, donc la masturbation, est le péché le plus grave de tous les péchés du judaïsme. C'est Mouvab et Shulchan Aruch Hilchot Ishud, je crois que dans Siman Kafa He, si je ne m'abuse. C'est la vraiment la plus grave. Et si une personne veut s'en sortir et vivre la Géoula, il est évident qu'il doit arrêter. Alors c'est pas facile, il faut se marier. Alors, on va se marier en disant, tiens, j'ai besoin de poupée gonflable, alors je vais me marier, comme ça je pourrais me vider. Chas v'shalom. Je suis un peu dur dans mes mots, je m'excuse, c'est pas poli, mais il faut faire attention. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas, parce que la punition de Zera Levatala dans la Torah, c'est la mort. Onan et Er ont été mis à mort alors qu'ils étaient jeunes parce qu'ils pratiquaient l'onanie. Et la reine Bezrat Hashem, si une personne a cette difficulté parce qu'il a des pulsions, parce que, alors il y a trois choses à faire. D'abord, arrêter de regarder les femmes sur le site. Les sites, vous comprenez de quoi je parle, ne t'excite pas, quoi. Deuxième chose qui marche très fort, je te promets que ça marche. Une bonne douche froide, mais froide, hein, pas tiède, froide. Tu ressors, t'as envie de rien. Au contraire. Et puis la troisième chose, étudier les biographies de nos Chachamim pour la millième fois. Quand on étudie la vie de Baba Salé, je te promets qu'après on n'a pas du tout envie de fauter. Quand on étudie la vie du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, du Rabbi Yosef Raïm, du Rav Ovadia Yosef, du Rabbi de Lubavitch, quand tu étudies la vie de nos Rabbanim, tu te dis, mais mince, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose de beaucoup plus grand que mes 5 minutes de Guéhinam qui vont m'emmener vers la perdition la plus totale. Le meurtre de millions d'enfants que j'ai éjectés à la poubelle. Tout ça, pourquoi? Pour des illusions qui passent par l'esprit. Zera Levatala est une des Averot qui empêche le plus le Mashiach de se dévoiler au monde. Sachez-le. C'est marqué dans la Gemara. Tant qu'il n'aura pas fait le Tikkun Abrit, tant qu'on n'aura pas réparé la Brit Mila, il ne peut pas venir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va retarder tout ça? Kedai Bezrat Hashem, de demander de l'aide à Hashem, Idbo Dedout Hashem. Aide-moi, Rabbi Yehuda Hanassi n'a jamais fauté avec la Brit Mila parce qu'il n'a jamais descendu ses mains en dessous de la ceinture. Comme ça dit la Gemara. Achen Yitrazek, Bezrat Hashem, évitez que vos yeux fautent. Comme la Gemara dit dans Maseret Avodah Zara, celui qui protège ses yeux ne viendra jamais à fauter parce que En Achizat Ayetzerah El Abenaim. Le Yetzerah, il commence à faire tomber l'homme par ses yeux parce qu'il regarde. Achen Yigazman, et j'en profite pour le dire pour tout le monde, arrêtez d'être jaloux. Arrêtons, pardon, pas vous, arrêtez, hein, je ne suis pas mieux que vous. Arrêtons d'être jaloux. Pourquoi lui, il a mangé pas? Pourquoi c'est ceci, elle est belle celle-là, de regarder l'ange de telle et telle femme. Daï, Am Israël, c'est un peuple qui est kadosh. On est des enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On a une Torah de feu, on est un peuple extraordinaire. Toutes les nations bientôt vous le crieront. Toutes les nations bientôt vous le crieront. Israël, vous étiez ça et vous ne l'avez pas dit. La reine, tu vaux beaucoup plus que de faire des péchés aussi bas. Tu es beaucoup plus haut que ça. Et sachez que la plus belle des humilités, c'est de connaître sa place. Le jour où le peuple d'Israël comprendra combien il est important,
combien la vie d'un juif est tellement plus grande qu'un Sefer Torah, à un tel point que la Torah s'annule pour sauver la vie d'un juif. Ça s'appelle Pikuach Nefesh. Alors qu'est-ce qu'on aura à chercher à descendre au plus bas de l'immoralité et de faire des choses qui n'appartiendront qu'à l'illusion, qui se paieront très cher par contre dans un monde de réalité. Une question d'Esther qui en souhaite Mazal Tov pour son mariage d'Hachem pour mardi. Esther Mazal Tov Bezrat Hachem pour ton mariage mardi. Et j'en profite aussi pour souhaiter un grand Mazal Tov à Mikaël et Rivka Bezrat Hachem qui fêtent leurs 5 ans de mariage de par cette même occasion. Un grand Mazal Tov, beaucoup de bonheur. Bezrat Hachem, Geoula Shlema Ken. Justement, elle a son mariage donc mardi, de nombreux désistements suite au confinement. C'est normal. Elle pose la question, est-ce qu'elle devrait faire son mariage qu'avec le strict minimum? Et bien entendu... Absolument, je devais faire un mariage alors qui s'est fait aujourd'hui. Ils voulaient le reporter pour que ce soit moi qui les marie. Je leur ai dit non. Ils se sont mariés aujourd'hui à 14h à Tel Aviv. Je souhaite un grand Mazel Tov. C'est moi qui devais les marier. Et j'aurais dit, vous ne m'attendez pas. On ne repousse pas une date de mariage. On a besoin d'un rave, on a besoin de 2 témoins. Et Bezrat Hachem, ce que vous pouvez faire après, ça aussi c'est Met Hachem. Puis c'est une occasion d'arrêter de jeter de l'argent à gogo pour les mariages, parce que c'est devenu un peu n'importe quoi dans notre génération. Quand tout sera calmé avec l'aide d'Hachem, c'est quand même un mariage, c'est une fois dans la vie, ça fait de la peine, quoi. Il n'y a pas maison, il n'y a pas tout ça. Vous organiserez, si Dieu veut, votre mariage par le biais d'une Seudat Hodaya dans une petite salle sympathique, avec vos amis les plus proches, votre famille la plus proche, une Seudat Hodaya pour votre mariage, et tout le monde vous donnera la joie de votre mariage. Ce sera juste un peu décalé. Aval, quoi qu'il advienne, tant qu'on n'est pas en bidoud, en isolement, badaï, ne reculez pas la date de votre mariage, fixez-la en temps et en heure. Et maintenant, s'il s'agit des parents qui sont en France, puisque vous savez que celui qui n'a pas de passeport israélien ne peut pas venir en Israël pour l'instant, mais ça se réouvrira si Dieu veut prochainement, eh bien, là, il faut faire une question. Ça veut dire qu'il faut vraiment parler entre eux, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Imaginez, je veux dire quelque chose de stupide, hein, bien sûr. Imaginez que... Comment elle s'appelle, Esther? Doit se marier et que c'est elle la mère du Mashiach. Vous dites, c'est quoi? Bon, on va repousser le mariage, vu la situation, au mois d'août. Et pourquoi tu nous fais ça à nous? Chaque enfant qui vient au monde amène avec lui la Géoula. Chaque enfant qui vient au monde, dit la Gemara, amène la Géoula. Le Mashiach ne viendra que quand toutes les Neshamot seront descendues sur terre. On l'a dit, redit, redit. La reine, ne pas repousser une date de mariage. Et Bezrat Hashem, si la famille vous aime vraiment, si vraiment ils vous aiment, et qu'ils veulent votre bonheur à vous, alors ils vous diront Mazel Tov. Tout comme Dieu se passe de Minyan pour ce Shabbat, il faudra aussi qu'on se passe de ceux qu'on aime le plus pour leur bonheur à eux. Il ne faut pas être égoïste, c'est difficile à entendre, je le conçois. Et si vraiment les parents s'y opposent, et que la Kala, j'ai eu un cas d'une Kala qui ne veut pas se marier sans ses parents, elle ne veut pas, alors attends. C'est dommage, mais attends. C'est dommage pour la date. Il y en a qui répondait, après, qui suit la question par rapport à Zera et Batala. Comment réparer cette faute si grave? Comment réparer cette faute si grave? J'irai encore plus loin, je vais te faire plaisir Bernard, parce que je réponds à tout le monde. Comment réparer la faute de Zera et Batala? Comment réparer la femme qui n'a pas respecté la Nida? Comment réparer les fautes de ne pas avoir mangé kasher? Comment réparer de ne pas avoir été chômer Shabbat? Comment réparer le lajonara qu'on a fait toute la journée et toute notre vie? Réponse très simple. Nos rabbanim, nos chachamim nous ont dit, étant donné qu'aujourd'hui, on n'a plus la force de jeûner, c'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef. Qui c'est qui peut jeûner? Tu vas jeûner quoi? Pas ça veut dire 84 jeûnes parce que tu as fait une seule fois Zera Batala, c'est ce qu'il faut jeûner. 84 jeûnes, tu vas les faire? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne de la tzedaka, car katou va se faire magdoshim. On donne de la tzedaka. Et si on ne peut pas, on donne ce qu'on peut. Et ensuite, ben, celui qui a fauté dans l'anida, il prend le livre des lois de l'Anida, il les apprend, et il va plus loin que ça. S'il veut réparer sa faute, il achète des livres de l'Anida, sur les lois de l'Anida, et il les offre à ceux qui ne font pas encore l'Anida. Ça s'appelle Zikou Yarabim. Si par exemple tu as fait Zera Levatala, Bezrat Hashem, tu as d'abord le Tikkun HaKlali de Moreno Arav, Rabbi Nachman Ben Fega, Srouto Egan Alenu, tu iras au Migvé, ou tu fais ce que tu as à faire sous la douche, 12 litres d'eau sur toi pour avoir un digne de Migvé. Et tu dis le Taorot, c'est-à-dire la Mishnah de tout ce qui touche à ce qui est pur, et les lois, Bezrat Hashem, de la Brit Mila. La Gdusha de la Brit Mila. Celui qui a fait du Lashon Hara, il étudie le livre du Hafetz Chaim, Shmirat HaLashon. Celui qui a fait des Averot, c'est même plus lesquels. Ou le Yodeh Ma La'asot, il y a une Gemara pour ça, Zvachim. Le Masechet Zvachim
Alors vous me direz, attendez, Rav, vous êtes en train de me dire Zvachim, qu'est-ce que tu dis la Gemara? Je ne sais même pas de quoi je parle, je ne sais même pas ce que c'est Zvachim, t'as raison. T'as Internet au moins qui te servait quelque chose de positif. Tu tapes Dafayomi, Masechet Zvachim, tu as des cours en français, en arabe, en chinois, en anglais, en ce que tu veux. Tu écoutes. Tu peux écouter, tu ne sais pas lire, au moins tu peux écouter. Si tu t'assois et que tu écoutes le Dafayomi de l'époque où ils étaient en train de faire Zvachim, tu vas voir un Rav qui va apparaître sur l'écran et qui va t'expliquer feuille par feuille, tous les jours, tu étudies ça. Et ainsi donc, tu te répares dans la faute, bien entendu. Après l'avoir cessé, regretté, prendre sur toi de ne plus jamais le faire et de commencer ton tikkun en demandant pardon au Créateur du monde. Pas shoot. Chacun étudiera les livres de Torah correspondant à la faute qu'il a commise. Étudie-les avec tout ton cœur, avec un regret profond et surtout le sourire sur les lèvres. Parce que celui qui fait tchouva dans la joie, même ce qu'il a fait de plus mal au monde, deviennent des mitzvot. Enseignement de Resh Lakish. Ken. On fait un grand zikoui d'arabie, donc excusez-moi pour Esther, ce n'est pas Esther qui a posé la question, mais Levana, donc je voulais demander... Levana, Esther, qui que ce soit, toutes les calottes d'Israël méritent nos applaudissements, Mazel Tov, et Bezrat Hashem, n'oubliez pas que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Non, je veux dire par là que Bezrat Hashem, le but c'est pas de se marier, mais de rester, donc faites preuve de grande humilité, apprenez à vous parler entre vous, Bezrat Hashem, aussi bien pour le couple marié, le dialogue est impératif dans la vie d'un couple, et surtout soyez complices, soyez de vrais amis. Avant d'être des amants. Une question de direction. Oula. En même temps, je voulais vraiment... La direction, c'est ma femme. Voilà, elle a une dos, voilà, Léana. Si tu veux. Et en même temps, applaudir toutes nos femmes respectives qui font un travail extraordinaire. Non, mais attends, avant de partir à la maison, je lui ai dit, tu sais ce que j'ai envie de manger ce soir? Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit un hachis parmentier. Elle me dit, regarde dans le four. Elle a préparé un hachis. On a également, de par rapport à Harry, qui nous pose une question. Qu'est-ce qu'elle a, la rabbinite? Quand on allume donc, les bougies de Shabbat avant l'heure de la rentrée de Shabbat, un peu plus tôt, est-ce qu'on peut quand même continuer à travailler jusqu'à l'heure exacte de rentrée de Shabbat? À partir du moment où on allume les bougies de Shabbat, alors, dans l'absolu, min ad-din, c'est-à-dire selon la loi prescrite, il n'y a pas de rapport entre l'allumage des bougies et l'entrée de Shabbat. Il n'y a pas de rapport, à la limite, ce n'est pas comme ça qu'on faisait. Seulement, il y a un minag. Et ce minag dure depuis des siècles, que les femmes ont pris sur elles, qu'à l'allumage des bougies, elle rentrerait le Shabbat. D'accord ? Alors, dans ce genre de cas, le rabbin va dire Yosef Zatza, surtout Ganalin, où il dit, combien Rosh Hashanah, tu fais à Tarat Nedarim une fois, de ne plus recevoir le Shabbat à l'allumage des bougies. Le problème qu'il y a, c'est que comme aujourd'hui et plus que jamais, oui, il faut faire comme ça, rentrer le Shabbat à l'allumage des bougies. Pourquoi ? Parce qu'on a des portables. Parce qu'on est tout le temps occupé, parce qu'on ne peut plus vivre sans. Ce qui fait que si on allume les bougies et qu'on attend l'entrée de Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Allô maman, allô belle-mère, allô monde... Belle-mère, je ne sais pas, allez, bye. Mais en tout cas, allô, 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 le temps passe, on oublie, on regarde, mince, Shabbat est rentré depuis 10 minutes, j'étais encore au téléphone, pac, patati patata. Donc la Torah nous dit, va sous seyag la Torah. Des fois, il faut faire des barrières, et c'est ce qu'ont fait le minag des femmes d'Israël extraordinaires, qui ont dit, tu sais quoi, même s'il n'y a pas de rapport entre l'entrée de Shabbat et l'allumage des bougies, eh bien... On le prend. La reine, je vous conseille vivement de garder ce minag, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, et de vraiment de préserver ce minag. Ceci étant, c'est une très grande mitzvah de rentrer Shabbat avant l'heure et de le faire sortir après l'heure. Au moins, une demi-heure, une heure, pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, répondre présent au Shabbat avec enthousiasme, c'est-à-dire avant son temps. Mais la reine, Bissiata d'Ishmaïa, à partir du moment où vous avez l'opportunité de pouvoir rentrer Shabbat avant l'heure, faites-le. Si maintenant vous voulez déconnecter les bougies à l'entrée de Shabbat, il faut faire Atarat Nedarim dans ce cas-là. Donc allez voir un chacham et lui dire, voilà, j'aimerais faire une annulation de ce vœu. Et pourquoi c'est un vœu? Parce que trois fois fait, quand tu fais trois fois une chose, ça devient comme un neder. Donc dans ce cas-là, il faudra annuler cela. Et si c'est vraiment en cas de force majeure, alors vous direz avant l'allumage des bougies, exceptionnellement, je ne rentrerai pas Shabbat à l'allumage des bougies. Mais reprenez ce minag, parce que c'est vraiment une ceinture de sécurité pour ne pas enfreindre le Shabbat, si malheureusement, une fois qu'on est allumé, on s'est un peu oublié, avec les enfants qui crient, et les gens, et la situation, et les informations, et attends, qu'est-ce qu'il dit, et patati patata, ce serait dommage. Il faut faire confiance en la Torah. Certaines femmes qui demandent si elles peuvent étudier le Daf Hayomi. Est-ce qu'une femme peut étudier le Daf Hayomi? En général, les femmes n'étudient pas le Talmud, mais si elles veulent étudier le Daf Hayomi, sans entrer dans les détails, dans ce qu'on appelle le pilpoul. Les femmes ne rentrent pas dans les pilpoulim, c'est-à-dire rentrer dans... Mais si elles vont avoir une connaissance, comme la rabbinite Yamima Mizrahi, par exemple, qui a une bonne connaissance extérieure, en tout cas du pshat de la Gemara, oui, elle le pourrait. Elle le pourrait. Elle le pourrait. Okay.
Mais c'est aussi une bonne occasion pour toutes les femmes d'Israël de faire vraiment beaucoup de Tehillim et de prier pour le peuple. Ne priez pas que pour votre famille, vraiment priez pour la situation du peuple, priez pour la Géoula, et surtout priez pour le Shalom Bayit. Il est impératif que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair, et que chacun de nous, Bezrat Hashem, trouvons le Shalom. Comme on dit, Oseh Shalom Yomroma, Abhu Berhama Yaseh Shalom Aleinu. C'est quand on aura fait la paix dans le ciel, où Dieu en a marre de nos disputes, qu'on aura enfin la paix sur terre et dans tous les cœurs d'Israël. On va s'arrêter là. Toda Rabba, et on se reverra Bezrat Hashem pour d'autres shiurim avec l'aide d'Hashem, et peut-être dans de meilleures conditions, ou sous la lumière et les projecteurs du Melech HaMashiach. Kol Tov Veleitraot. Chazak Baruch.